Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'avant, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Wow. Bienvenue sur Nyang's Reborn. Oui, vous êtes bienvenue sur Nyang's Reborn et Dieu vous parle aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ce message est un message trop puissant et c'est le témoignage d'un ex-sataniste. C'est un témoignage qui nous a tellement touchés que nous avons décidé de prendre un élément parmi tant de choses qu'il a dit afin de pouvoir vous révéler des trucs extraordinaires dans ce témoignage. Dans certains pays, nous sommes dans une période d'examen et beaucoup de personnes étudient et travaillent. D'autres personnes ont décidé, en plus de cela, d'ajouter des pratiques occultes afin de réussir à leur examen. Aujourd'hui, nous allons vous dire comment faire pour réussir et quelles sont les armes que vous devez avoir. Mes frères et sœurs, si vous étudiez et même que vous avez des diplômes, ne dites pas « Oh, j'ai des diplômes, je peux réussir avec mes diplômes. » Ne dites pas « Oh, je suis trop intelligent, je peux réussir à mon examen. » Ou ne dites pas « Oh, mon marabout est fort, il va me donner la gloire. » Mon frère, ma soeur, attention, attention. Ne vous confiez pas vous-même à votre intelligence ou à votre connaissance ou à votre sagesse. Confiez-vous plutôt à Dieu qui va vous aider dans tout ce que vous faites. Ah! Voici un homme. Lui, il allait à l'école. Il a travaillé dur pour avoir ce diplôme. Au moment où il doit travailler là, voici des sorciers qui sont venus prendre ce diplôme là dans le monde de la sorcellerie et amener ce diplôme là dans le monde de la sorcellerie là-bas. Plutôt, ils sont venus prendre ce diplôme physiquement, mais spirituellement parlant, pour amener ce diplôme dans le monde de la sorcellerie. Et ces diplômes là sont là-bas dans une maison. Et lui sur la terre, il a des diplômes physiquement. Il dépose les dossiers partout, ça ne marche pas. Il se pose la question de savoir, mais pourquoi ça ne marche pas? Alors que ce sont les sorciers qui sont derrière tout ça. Mais il ne sait pas. Physiquement, il se dit, ah, j'ai des diplômes, je peux travailler. Mais à un moment donné, quand il a commencé à avoir beaucoup d'échecs, il a commencé à comprendre qu'il y a des problèmes. Quand il allait rendre compte, il a cherché à rentrer en contact avec un vrai homme de Dieu. L'homme de Dieu a reçu une révélation et Dieu lui a dit que ses diplômes se trouvent dans le monde de la sorcellerie, dans une maison là-bas. Il faut qu'on prie pour débloquer cette histoire afin que lui puisse travailler, sinon il ne va jamais travailler de sa vie. Il y a plein de personnes comme ça qui ne travaillent pas, ils sont là chez eux. Ils déposent les dossiers, ça ne marche pas. Ils font tout, ça ne marche pas. Et ils se posent la question de savoir, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a des sorciers qui sont chez vous. Il y a des sorciers qui sont dans votre famille, qui ont bloqué votre dossier, qui ont bloqué votre travail. Vous avez compté sur vos diplômes, vous avez compté sur votre sagesse et votre intelligence. Et voici, vous êtes bloqué à cause de la sorcellerie. Ça veut dire que vous devez avoir la destinée jusqu'à dans votre vie d'abord. Et mener un combat sérieux contre les sorciers afin de pouvoir évoluer. Ça veut dire que si vous avez un sorcier dans votre vie, dans votre famille, il ne va pas vous laisser facilement réussir. Il va vous combattre et vous mettre un blocage partout. Moi-même, je suis un exemple. Je sais exactement de quoi il s'agit. Dans le deuxième cas, voici des enfants qui
ont vu l'examen venir. Et eux, ils ont dit qu'ils sont intelligents, c'est vrai, mais il faut ajouter le mysticisme dedans pour pouvoir gagner. Il faut maintenant entrer en contact avec le diable pour réussir à l'examen de fin d'année. Et voici que ils vont aller voir un féticheur, que c'était sataniste là, mais qui nous a rendu ce témoignage, il s'appelle Paul Kalemba. J'étais écouté sur Nyon Sribonne, vous allez voir Paul Kalemba, écrivez Paul Kalemba, vous allez trouver plusieurs témoins de cet homme qui va vous révéler des choses extraordinaires sur de tels témoignages. Il dit que quand ses enfants sont venus chez lui, il leur a dit que pour pouvoir réussir à votre examen, vous devez voir dans votre famille là, s'il y a quelqu'un qui est mort et la personne qui est décédée là, nous allons le mystiquement prendre son bras et fabriquer un stylo magique qu'on va vous donner. Et l'esprit de cette personne va travailler à votre place à l'examen, va composer à votre place à l'examen. Ça veut dire que vous, dès que vous arrivez dans la salle d'examen, vous n'aurez qu'à utiliser le stylo seulement. Vous attrapez le stylo et le stylo va commencer à bouger de lui seul et écrire tout ce qu'il est vrai pour répondre, c'est bonne réponse. Et vous-même, déjà, même après la cérémonie, vous pourrez tout simplement avoir le résultat de votre examen déjà. Ah! Et voici que les enfants vont aller dans le cimetière. Il faut aller dans le cimetière à une heure bien précise. C'est à minuit, comme d'habitude. Minuit, ce sont une heure stratégique où les démons, le diable, ils patrouillent la terre. Pourquoi? Pour vérifier des choses. C'est-à-dire que ce sont des gestes stratégiques pour eux. Minuit et 4 heures du matin, faites attention. Vous pouvez prier beaucoup de ces gens d'heure, mais faites aussi attention parce que de ces gens d'heure-là, dès qu'on vous voit en combat spirituel, là, préparez-vous également au combat demain. Demain matin, ils peuvent venir physiquement pour vous attaquer aussi. Mais n'ayez pas peur. Et ces enfants-là vont aller dans le cimetière à minuit. Et arrivés dans le cimetière, là, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un stylo réel. Hein. Ils vont le positionner, creuser un trou à côté d'une tombe et positionner le stylo là à l'intérieur de ce trou. Et 3 jours plus tard, ils vont venir prendre le stylo. Bizarrement, le 3e jour où ils vont venir pour prendre le stylo là, voici quelque chose de grave qui va se passer. Dès qu'ils vont venir pour prendre ce stylo là, vous savez ce qui va se passer? Les morts, c'est-à-dire les cadavres là, les gens dont ils doivent prendre l'esprit là, pour travailler à l'examen là, ces cadavres vont se réveiller et ils vont se mettre à les poursuivre. Du coup, ils vont se retrouver dans un autre monde, dans une forêt, en train de courir là-bas. Et parmi les trois enfants qui étaient de courir là, il y a un parmi eux, sa maman se trouvait en ce moment-là où, à l'église. Et Dieu a mis à cœur à l'homme de Dieu de dire tout, à toutes les personnes qui ont les enfants en prière d'examen, qui s'approche, que lui puisse prier pour ces personnes-là, afin que les enfants puissent avoir du succès. Dès que sa maman est approchée, que l'homme de Dieu a fait la prière, la femme là a fait une offrande à Dieu après, dès qu'elle a fait ça, naître son enfant, qui est dans le monde des ténèbres, en train de courir là-bas, en train d'être poursuivi par les démons, là, elle ne sait pas là. Dieu a amené sa mère dans le monde des ténèbres là-bas. Et il a saisi l'enfant là, celui sur la personne. Oh mon Dieu. L'enfant pour qui sa maman était en train de faire toutes ses offrandes, sacrifices à Dieu là. Dieu a saisi l'enfant là, là-bas comme ça, et l'a ramené dans notre monde. Voici comment l'enfant a été sauvé. Dès que l'enfant est arrivé dans ce monde là, il a couru directement, il allait à l'église. Il allait trouver sa mère là-bas, à l'église là-bas, ses parents là-bas, pour expliquer à l'homme de Dieu ce qui s'est passé. Quoi? Qu'elle a expliqué cela à l'homme de Dieu là. L'homme de Dieu lui-même là, il était étonné. Parce que il ne savait pas. Il était étonné. Il ne savait pas que c'était Dieu lui-même qui l'inspirait à dire. Qui l'inspirait à prier pour les personnes qui sont. Pour les mamans, les personnes, les parents qui ont les enfants en classe des années. Il ne savait pas. Ça veut dire que dans la prière, là, celui qui prie, là, il a une force, il a une puissance, mais il ne sait pas.
Ceux qui sont spirituels, qui vous ont les yeux spirituels, ils peuvent voir la force qu'a celui qui prie. Et ce témoignage-là vient pour vous expliquer combien de fois Dieu est fort et combien de fois il faut se confier à Dieu. Lui seul peut vous aider. Lui seul peut vous sauver. Les pratiques mystiques, ou encore le fétichisme que vous allez le voir pour avoir vos examens là. Ce qu'il va vous donner là, ça a des conditions et c'est dangereux. Vous pouvez même trouver la mort dedans. Mais quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne vous demande pas grand-chose. Il va vous dire, soyez saints, vivez exactement comme il vous demande de vivre, marchez selon ses commandements, selon ce qu'il vous dit, selon ses conseils. Et quand vous marchez selon ses conseils, lui va vous garantir la protection. Il va vous protéger contre les sorciers qui sont dans votre famille, qui vous combattent pour ne pas, qui veulent pas vous voir réussir là. Il va vous donner également le succès à votre examen. Mais vous aussi, posez des actions, hein. Étudiez. Travaillez dur. Faites des actions de grâce. Quand on dit à l'église et à don là, venez donner. Tu sais que tu vas aller déposer tes dossiers, tes diplômes là. Avant d'aller déposer tes diplômes là dans une entreprise, passe à l'église le matin. Prie. Tu dois faire l'offrande. Fais l'offrande. L'homme de Dieu n'a pas besoin de voir ça. C'est un Dieu et toi. Dieu lui-même va se souvenir de cette offrande et il va débloquer une porte pour toi. Toi qui déposes des dossiers partout, ça ne marche pas malgré tout ce que tu fais. Reste avec Dieu. Continue à intercéder, continue à prier. Dieu va se souvenir de toi. Et demande aussi à Dieu de te révéler qui sont des ennemis qui sont dans ta vie, qui sont susceptibles de causer des problèmes ou des blocages dans ta vie à ce niveau. Dieu va te les révéler. Moi, j'ai vu qui sont mes ennemis et je suis dans un combat extraordinaire. Et Dieu est en train de se glorifier chaque jour. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, de ce que vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder le témoignage très puissant que nous venons de poster. Et le proverbe du jour. Nous vous rappelons également que dès demain, nous posterons des prières extraordinaires qui se trouvent où? Dans le livre des psaumes. Ça veut dire que le livre des psaumes va être travaillé ici sur Union Reborn. Ça veut dire que chaque jour aura son psaume. Oui! Chaque jour aura son psaume et vous pourrez lire la parole de Dieu et vous baser sur ce psaume pour pouvoir tout simplement prier. Psaume, c'est le psaume de David. David qui était un serviteur de Dieu, qui a traversé des moments difficiles aussi. Et il a eu à faire des prières à Dieu. Ce sont ces prières-là qui seront proposées dans les psaumes. Vous regardez ce qu'il a fait comme prière et vous adaptez sa prière à votre situation afin de pouvoir obtenir gain de cause, afin de pouvoir amener Dieu à agir fidèlement selon sa parole, à votre faveur. Oui, Dieu veut vous aider, c'est pourquoi il y a ce bon aîné. Là, nous passons au stade de la délivrance. Dieu veut délivrer beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes. Alors, soyez prêts, parce que les prochaines vidéos seront des vidéos de délivrance. Dieu va nous délivrer, nous d'abord, et vous vous délivrez. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Nous venons de dépasser les 13 000 abonnés. Que Dieu vous bénisse. Notre objectif immédiat, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant le 6 juillet prochain. S'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Incitez tous vos amis à s'abonner également. Partagez cette vidéo à tout le monde. Faites tout ce qui est possible pour que nous puissions atteindre, s'il vous plaît, c'est 20 000 abonnés avant le 6 juillet. Le 6 juillet, nous aurons, Yann Srebon aura un an. Un an de difficultés et un an d'exploits. Nous allons fêter cela avec vous. C'est pourquoi nous souhaitons que nous dépassions le seuil des 20 000 abonnés pour que la fête soit grande et la joie soit encore plus grande. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous soutenir au travers de vos dons. Et en dessous de cette vidéo, toutes les informations sont là pour nous soutenir au travers de vos dons. Ça nous sera d'une grande utilité. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo.
que Dieu vous garde. On se revoit.